Bonjour. Comme d'habitude, na misana koloba ke le mal est mal même s'il est fait par Dieu et le bien est bien même s'il est fait par le diable. Ça veut dire que oyazana po sa ya komona mboka ko kende malamu atala malamu saleli mboka ako évaluer. Quant à moi, étant au service de la République, na ko évaluer yangai ba acte pour la République, na ko conclure que mboka liko kende malamu. Merci, monsieur le journaliste. Tout à l'heure, vous affirmez que j'étais dans la salle qui a abrité les congrès au Palais du Peuple de la République démocratique du Congo. J'ai, avec une attention soutenue, suivi les discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était un discours audacieux, un discours réaliste. Et je suis sidéré, si pas étourdi, d'entendre que lorsque quelqu'un, de manière strict vient à étaler la réalité de la situation de la géopolitique yamboka ba tobali ko kanisa ke ezali ba plainte o ali ko pesa na population na ye. Écoutez, c'était Berlioz, mais je crois que pour ma part, monsieur le président de la République était en train d'étaler les réalisations qui ont été faites par lui et les réalités qui sont vécues par sa population. Quoi de plus normal qu'un chef d'État reconnaisse que Nambo Kanaye, Batoubali ko sombali pa Namoatalo. Est-ce que c'est ça un discours plaintif? Quoi de plus normal qu'un chef d'État à reconnaître que Nambo Kanaye, Batoubali ko gérer l'otilik, Bali ko gérer Maï. C'est ça ce que vous appelez, vous, discours plaintif? Non, il s'agit là d'un discours réaliste. Et pour être réaliste, il faut être un chef qui vit quotidiennement aux côtés de sa population. Parce que discours, il y a chef de l'État, il y a discours, il y a ce qui est moto oyo, afanda kana Kishasa, afanda kana Mbujimai, afanda kana Bumba, afanda kana Lisala, afanda kana Mbandaka, afanda kana Kwilu, tona Kenge. Mais pour un chef qui est tout le temps ailleurs, ou pour un chef qui n'est pas physiquement en République ou moralement en République, vous verrez qu'il va vous ramasser des équipes qui ressemblent à des papiers hérésie. Voyez-vous? Mais son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait le tour, vous aimez que je dise ça souvent, les contours et les pourtours des questionnalités qui relèvent de la survie de sa population. Donc il ne s'agit nullement d'un discours plaintif. C'est un discours chiffré sur toutes les axes. C'était un discours programmatif qui a annoncé ce qui devait être fait et qui a annoncé ce qui avait été fait et ce qui est fait déjà. Donc, dire que c'est un discours plaintif, je m'inscris à faux. Voilà. C'est une question pertinente, il ne faudrait pas qu'on se vale des faces. Motuna et Aliti Namakasi. Mais le président de la République, avant à accéder à la magistrature suprême, mon consignon, à moins dans des républiques autocratiques, il y a Bamité Mayabatu, mais des républiques démocratiques, il y a Bissot Oyo, chef
y a mboka na biso avant accéder dans magistrature azali na oba bengaka programme ali na oba bengaka projet de société. J'ai été présentement, qu'est-ce que j'ai dit, j'ai été physiquement dans la salle de réunion de l'hôtel Béatrice sur le boulevard du 30 juin à proximité de la gare centrale. Soko Zali Kinoa Oyebi place na Ali Koloba na hôtel Béatrice en 2018, le président de la République alors qu'il fut opposant à l'époque a salaki projet de société naé axé sur 10 ans. Aloba qui était sur 10 ans à couper sa République démocratique du Congo budget il y a 86 milliards. Et au coquille comme on a que année à Liboso budget mokonza mboka pesa ki biso soko calculer zalagi a 8 milliards quelque chose soko calculer 10 ans donc comment parce que zalagi 8.4 milliards 8.6 milliards soko calculer au comment que nous allons atteindre les 86 milliards. C'est ça être gouvernant. Un gouvernant a un programme anticipatif, un projet de société. Voyez-vous? Donc, et c'est ce que yoko tala na projet de société à Mokonzi Mboka ko bandana ko sala ba évaluation sur tous les angles. Oko ko fanda te olobake social ya bato ya lipasi. Non non, social ya lipasité. Social ezali parce que gratuité et enseignement ils ont fait partir na social. Ce qui est d'une pensée un peu ambiguë na mitu ya ba kongolomani, ba liko kanisa ke social ezali kaka lipa na mbisi atako soki ezali ba point majeur oyali ko sala ke social ezali un peu observé. Mais seulement que vous devez savoir que la gratuité de l'enseignement qui avait été rendue effective par son excellence monsieur le président de la République, il s'agit là d'ailleurs d'un aspect aussi majeur grandissime monsieur les journalistes. Oyali ko monde parents ezali ko futa moins $200 na kelasi ako futa lisusute ako zo moins misolo wana ako tia yango pona kosombela bana lipa pona kosombela bana mbisi. Est-ce que zali mabe et ali mabe te ezali malam? Ce sont aussi des réponses qui avaient été données pour des questions liées au social du peuple congolais. Et mbongo yali ko tika la oyo ba parents ba yali ko tia na kelasi ba komi ko tia yango soko na panier la ménagère oko mona ke ali ba biloko yo batu bali ko kobosa na mamingi. N'oubliez pas aussi que toujours dans le cadre du social du peuple, le président de la République a lancé 100 jours. 100 jours, on a étongi Banzela et Belé. Vous devez savoir qu'il n'y a aucun pays au monde qui peut se développer sans des routes. Ce sont des routes qui développent une nation. Pourquoi? Parce que Essengeli corrélie République Mobimba. Kishasa et Kokiko Zalana Ndunda. Et Zangina et Lokoko Salana Ndunda. Essengeli pèse Ndunda on a Kisangani. Mais ce qui est là, et Ali Tepo Nandunde Longwa Kishasa comme on a Kisangani, c'est tout un problème. C'est voilà pourquoi les chefs avaient compris qu'il faudrait relier la République. N'est-ce pas? Relier la République par des voies secondaires et même des voies principales. Et que ça, la question sociale, il y a Mboke Tamboula Malam. Et je vous apprends qu'il y a une bonne nouvelle d'ici le 25, à ce que je sache. Et Zalina Babiloko, Oyo, Mboka et Sombeli Bakongoloman. Pour un Mboka Mobimbe Koukanakoli. Pour ne pas s'atteler sur cette question qui relève d'ailleurs de mon domaine, puisque je suis avocat, je dois le dire. Mon appareil judiciaire, hein, magistrature suprême et conseil supérieur magistrature, et conseil à ministre était. Bah, tu vas dire qu'on confondre conseil des ministres, na conseil supérieur, y a magistrature. Conseil des ministres, ndé soki likambo salami na mboka, basanganaka, baleki na TV, balobi yango. Ça, il faudrait que les gens arrêtent un peu cette cacophonie qui gangrène la vie quotidienne y a ba congolais. Donc, conseil supérieur à magistrature, et les kakana TV, te poye bisabiso, bakanga kitel, na ndolo. Babi Monsieur, Bakanga Kitel, na Lemba, non non non. Justice c'est ça et ça la kamosala bongote. Soki qui Babi Monsieur moto et sengeli na yo koye bake ba akite ye. Oyali komone. Jugement ouzo akite ye elobi nini, motivation elobi nini, extrait de rôle elobi nini, conclusion elobi nini. C'est ça, c'est comme ça que fonctionne l'appareil judiciaire. Et ali teke Babi Monsieur moto yo leki na TV. Olobi que tel qu'on a babimisié
comme j'ai entendu sur d'autres chaînes de la place, on n'a pas libéré qui que ce soit. En justice, on ne libère pas. En justice, soit on acquitte, soit on libère conditionnellement, soit on libère provisoirement. Alors, Batoyo Lobi Babimi, ils ont été libérés tout court, ce qui n'existe pas en droit, vous êtes devant un juriste chevauché, ils ont été libérés provisoirement, ils ont été libérés conditionnellement, ils ont reçu la main levée de la part du procureur qui les a signés en justice, ou ils ont été acquittés. Voilà, cherchez-moi un terme qui relève d'un caractère juridictionnel, vous et moi allons débattre. Il ne faudrait pas vous limiter à me dire que Babimi Sagi Bat, Babimi Sagi Bango Ndengenin. Allons-y avec les mots en droit et nous allons parler en droit au lieu de parler en français. Parce qu'en français, Tokoyo Kanate, Ton Alingala Tokoyo Kanate, Tolobana droit, Okomona Genaropé Seyano, Oesengil Namotunanae. Merci beaucoup, Mme Bord, pour votre avis. Je vous salue, Kaga. 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 Sur 706 projets qui ont été prévus, ça, on a été prévu par le Congo. Eux, vous allez être prévus, ça va être 41. Monsieur Guy, je pense que vous êtes un brillant journaliste. Lorsque vous faites un projet, il y a une rubrique qui est réservée pour des imprévus. Ce qui est imprévu, et il y a un calcul général, où ils ont déjà un listing, beaucoup qui prétendent qu'il y a eu malversation financière ou surenchère, je ne sais pas moi quoi dire, mais jadis que, il y a géré Misoloana, il y fournir un élément de réponse tout de suite, parce que la question avait été soulevée même hier au Conseil des ministres, le ministre du budget national, le ministre des Finances, le ministre du Plan, le chef du gouvernement. Même le ministre de l'économie nationale, Kofanda, Bakoye Bisabiso, ce qui surfacturation, le Kola, Boali, Kolo Bayangwana, et Outeliwapi, Bakope Sabiso, élément de réponse. Mais je crois pour ma part que cause à la imprévu, Oyekotake Bele, et puis gouvernement pour des cas de force majeure à absorber Pe Bakalkiloana. C'est comme ça que c'est parti. Tout de suite, il ne faut pas être pressé pour crier à la malversation financière. Vous posez une question pertinente. J'étais séduit à l'appeler Fantastico Mirobolante. Mais écoutez, au monina nkolo Yesu Christo yemoko azalaki na sena moyo. Alors pour na ba fale ça des pharisiens, ils ont estimé que alagi ko buka mibeko au moni, mais Christ ne l'entendait pas de cette oreille. Il a affronté la justice, même si par absurde quand on entre dans la spiritualité on peut dire que Christ avait raison, mais na o etali mibeko azalaki na raison te pe oyebi que suite na ezalaki que ba condamna ki e et pas Ponce Pilate. Pendant que la Xaïté, ce qui est mon nom, c'est que la justice, mais ce qui est mon boni boni, yike lokola yo, nangai. C'était des jalons que j'ai posés pour répondre à votre question. Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre, vous posez la question de savoir qui peut connaître qui est le juge, qui est la juridiction qui peut connaître l'affaire de Matata Ponyo. Recommençons par la genèse. Ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, l'article 163 de la Constitution de la République dispose que la Cour constitutionnelle et la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre. L'article s'arrête là. Le Premier ministre dont on parle, c'est celui qui est en exercice. Mais Matata Ponyo, ancien Premier ministre, devenu plus tard sénateur, qu'est dit la Constitution? La Constitution n'a pas cité
des sénateurs pour dire des parlementaires. La Constitution n'a cité que le président de la République et le Premier ministre. Mais il faut lire les dispositions, je crois 154 et 155 de la Constitution, qui régissent les pouvoirs législatifs, notamment les cas du Sénat. Le sénateur Matata Ponyo, je l'évoque exceptionnellement, mais s'il faudrait parler de tous les sénateurs, sont justiciables de la Cour de cassation. Lorsqu'un sénateur commet un abus, son affaire doit être jugée et doit être portée devant les juges de cassation. C'est la juridiction pénale des sénateurs, des ministres, des vice-ministres, des gouverneurs, des vice-gouverneurs, des hauts magistrats, de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation, du Conseil d'État, ainsi de suite. Mais le cas Matata n'est pas extirpé. Matata, je l'ai dit et je mets quiconque en défi voudrait engager un débat de fond avec moi, est justiciable de la Cour de cassation. Pourquoi? Parce que la Constitution de la République dit que les sénateurs sont justiciables de la Cour de cassation. En vertu de quel droit on peut évoquer un principe général du droit pour l'opposer à la loi fondamentale qui est la Constitution? Les principes de cristallisation des faits qui veut à ce que ce soit au moment de la commission des faits que le juge qui doit juger puisse connaître le fait qu'avait commis l'inculpé ou le prévenu se trouvant devant sa juridiction. Ce principe est à... Biloko totanga kya ngoka na français et ozala moi pas koloba ngona lingala na yebite na koloba ngona lingala cristallisation des faits et lingi koloba ke au moni ezali na moment au monto a salaki mbeba nde esengeli ko sambisa ye. Ça veut dire que Matata Ponyo lokola zalaki ancien premier ministre na moment ya salaki bambeba ata komi ata kwa zali sous premier ministre te juge esengela sambisa ye ezaka ka juge oyo ya Matata Ponyo au moment où ya zalaki en fonction na droit aux ali na basouce du droit notamment la coutume les lois les principes généraux tout ça. Mais la Constitution c'est la loi fondamentale de la République. C'est la loi des lois. Toute loi en République démocratique du Congo, tout principe en République démocratique du Congo doit se référer à la Constitution. Et lorsque un principe, soit-il un principe général que j'ai évoqué ici, cristallisation des faits, ne peut pas se mesurer, ne peut pas prendre cheval de bataille contre la Constitution, ne peut pas se mesurer en guerre contre la Constitution. Il s'agit là d'un droit biaisé, d'un droit ibiwesque, d'un droit saugrenu. Naliko regretter que ezali ba avocat ya minene ya mboka na ngai nde bali koloba que esengeli cristallisation de fait salam. Voilà pourquoi je félicite ici avec beaucoup de fleurs que je jette en sa personne le président de la Cour constitutionnelle, mon ancien professeur Dieudonné Kalouba Dubois, qui s'est déclaré incompétent. La Cour constitutionnelle est incompétente parce que elle a refusé de faire recours au principe de cristallisation de faits qui vient contredire la Constitution. La Constitution, elle dit quoi? Elle dit que et Sengeli na Cour de cassation peut être matata lelo oyo azali sénateur. Alors c'est quoi? C'est que un instant le procureur général près la Cour constitutionnelle va instruire. Ça va c'est là. Lorsqu'il finira d'instruire au cours de l'instruction préparatoire, à cause du travail oyo asali à transmettre à mon collègue naïe procureur général près la Cour de cassation. Oya Kozwa a continué finalement à transmettre le dossier wana après avoir chargé Matata Ponyo Kopé Sayango na tribunal Otobengi Cour de cassation pour Matata akokana kozala liboso ya juge de cassation pour basambisaye. Je suis moins sidéré. Je suis étonné, je suis ébouriffé, messieurs les journalistes, que l'on nous dise sur une république, dans la république comme la mienne, qu'il y a un individu qui se trouve être non justiciable devant aucune juridiction de la république. Ça, c'est quel droit? Si vous lisez les dispositions pertinentes, jadis, la Constitution, en son article 23 de la Constitution, qui nous parle des principes généraux de la procédure pénale,
Congolais nyonso azali ndenge moko liboso mebeko. L'égalité de tous devant la loi. Savez-vous cela? Ce qui signifie que le col président de la République oali être suprême na mboka na biso, magistrat suprême, commandant suprême. Nyonso ya minene na mboko yobakine la président de la République, mais la constitution de la République en son article 103 et le bigue président de la République bakoki na ko sambisa ye et pas ya cour constitutionnelle. Boni boni sénateur. Oh, Ali Sibalterne, Abba Sibalterne, Mosika, Akoki Kosambi Samate. J'ai donné la réponse que c'était la Cour de cassation qui doit juger Matata Ponyo. Et cependant, que j'invite le sénateur Augustin Matata Ponyo de laisser de jouer au jeu du kitou double. Parce que le revers de la médaille, c'est que c'est de l'acharnement qu'on crie. C'est ça ce que les gens ne savent pas. Parce que le revers de la médaille, disais-je, c'était que les gens vont crier à l'acharnement. Les gens vont crier à l'acharnement. Alors, Matata Ponyo est en train de commettre des erreurs grandiloquentes, comme aime bien le dire le président de la VJPS, Joël Bambi, que bah, erreur ali ko sala wana, et ali bah, erreur à caractère, yako outrager Mbokanaye, yako outrager justice à Mbokanaye. Un sénateur ne peut pas relever des questions judiciaires au cours d'une séance plénière au Sénat. Ni le président Bahati, ni les bureaux du Sénat sont incompétents pour connaître l'affaire Matata. L'affaire Matata, c'est la Cour de cassation. Et si le procureur général près de la Cour de cassation s'hasarde à se déclarer incompétent alors que matériellement il est compétent au regard de la Constitution de la République, moi, personnellement, je vais initier une pétition qui va être même transmise au président de la République pour les déchoir. Parce qu'il s'agit là d'une injustice sociale. Vous devez connaître, messieurs, en droit, lorsqu'il y a eu commission de l'infraction, ça veut dire que ce qui m'a dit, Salimbeba, et Sengeli Naeba Sambi, ça y est. Pourquoi est Sengeli Naeko Sambi Sama? C'est tout simplement parce que l'infraction qui avait été commise vient à briser le pacte social entre l'infracteur et la victime. Voyez-vous? Donc, il faudrait maintenant établir, si vous voulez, rétablir l'équilibre social qui avait été rompu par la commission de l'infraction. C'est quoi? Laquelle infraction avait été commise par Augustin Matata Ponyo? Je parle entre guillemets, parce qu'il a été chargé par l'un de ses co-travailleurs qu'il a détourné des millions et des millions de dollars. Alors, ce n'est pas au Sénat que vous devez déclarer votre innocence. Le bureau du Sénat ne blanchit pas des inculpés. Le bureau du Sénat ne blanchit pas ceux qui sont cités en justice. Voyez-vous, il faut aller affronter la justice de son pays. Tantôt c'est le MFS, tantôt c'est le président de la République, tantôt c'est le président Bahati, tantôt c'est la justice. Le président, l'ancien premier ministre Matata se trouve entre le marteau et l'enclume. Les conseils que tous les euphémistes prodiguent au sénateur Matata, c'est de se présenter devant la justice de son pays, d'affronter la justice de son pays, et c'est à la justice que l'on peut nous dire que ce dernier était innocent ou qu'il était coupable. Voilà. Vous dites que l'infraction était commise par un premier ministre, recommencer? Mais pas, ça m'a dit, et pas premier ministre honoré. Mais pas ça, mais c'est une instance que ça m'a premier ministre honoré. Mais quand nous avons vu que ça m'a le niveau à cours de cassation, il y a un niveau à. Monsieur les journalistes, il ne faut pas essayer d'inventer, il ne faudrait pas essayer d'inventer la roue. Ni la boussole. Elles en avaient été déjà criées depuis trop longtemps. Vous ne pouvez pas inventer la roue. Le premier ministre honoraire, devenu plus tard sénateur, sa question est réglée par la Constitution. Le premier ministre honoraire, devenu plus tard citoyen simple, sa question est réglée par la Constitution. Nous avions des juridictions dans notre pays de l'ordre judiciaire. Je vous donne un cas. Aujourd'hui, l'ancien Premier ministre, Bino Tshibala-Nzinzi, qui commettra aussi, il doit être jugé conformément aux infractions commises par lui lorsqu'il fut ancien Premier ministre ou lorsqu'il fut Premier ministre.
Vous n'allez pas me dire que c'est la Cour constitutionnelle qui doit connaître ces infractions. C'est le tribunal de grande instance, parce qu'étant justiciable du tribunal de grande instance, c'est le juge de grande instance qui doit juger l'ancien Premier ministre Bino Tshibala, parce que c'est un citoyen lambda, voyez-vous. Et le cas Matata, j'ai dit que tantôt, c'était la Cour de cassation, tout simplement parce que cette questionnalité relève de la Constitution de la République. Hein? C'est l'article 154 qui dit que les sénateurs sont justiciables de la Cour de cassation. N'inventez pas la roue, n'inventez pas les droits. N'est-ce pas? Le code pénal avait été écrit, ce n'est pas aujourd'hui qu'il avait été voté écrit. Hein? Les législateurs éclairent. Voyez-vous? Donc, dire que le Premier ministre honoraire, c'est un terme qui n'existe pas dans la Constitution. Et je mets quiconque en défi de me brandir une seule disposition de la Constitution qui parle de ce terme Premier ministre honoraire. Où? Je dis, je mets quiconque en défi et j'en débattrai avec n'importe qui que ce soit. Qu'il me prouve une seule ligne de la Constitution télé où il est écrit noir sur blanc, ancien ministre, ancien Premier ministre honoraire. Ça, c'est le français pour justifier ce que fit une personne dans le passé. Ce n'est pas les droits. Le Premier ministre honoraire Matata est devenu aujourd'hui sénateur. Doit-on le juger conformément à son ancien statut qui n'est pas réglé dans la Constitution, ou doit-on le juger aujourd'hui à son statut actuel réglé par la Constitution? De quel droit vous voulez nous inventer? Écoutez, ça ne passe pas cette pilule la mer, surtout devant un juriste, un connaisseur du droit comme moi. Ça ne passera pas. Je vous dis ceci. Le principe de cristallisation des faits que vous évoquez n'est pas au-dessus de la Constitution. La Constitution se trouve dans la hiérarchie des normes. La Constitution, c'est la sommité. Les principes généraux comme une source du droit, c'est en bas. C'est comme si vous parlez du principe et des accessoires. Les principes généraux, ce n'est qu'un accessoire. N'est-ce pas? Et la Constitution, c'est une principauté, voyez-vous? Et donc, l'on doit se référer d'abord à la Constitution. C'est lorsque la Constitution se trouve être muette qu'on peut évoquer des lois, des textes, les lois organiques. Et même s'il faudrait évoquer la loi organique sur les anciens présidents de la République et les anciens premiers ministres, ainsi de suite. Cette loi, j'ai publié un article en 2019, le 25 octobre 2019, il y a un article que j'ai publié sur la critique perspective de cette loi organique qui porte sur les anciens présidents de la République et les anciens premiers ministres. Mobeko na basali ngo na ba amalgame belé. Il y a beaucoup de contradictions dedans. Cette loi organique vient à contredire la Constitution de la République. Wali komon. Donc, ancien premier ministre qu'il soit, et Sengeli naye ko sambisama. Je t'ai dit ici que si c'est Bino Tshibala aujourd'hui, il est citoyen simple, c'est le tribunal de grande instance. Si c'est l'ancien Premier ministre Sami Badibanga, c'est aussi un sénateur présentement là, c'est un sénateur, et Sengeli Naye, Kosami Sama, na Cour de cassation, Lokola Matata Ponyo. Voyez-vous? Alors, si la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, c'est le bon droit, puisque la Cour a refusé de faire recours au principe de cristallisation. La Cour s'est dit que, mais Ngaï Baye Bissingaï, article 163, Yamobek, et la Cour constitutionnelle, c'est le gardien. Il faut, non, faut l'appeler la gardienne de la Constitution. La Cour constitutionnelle, c'est la protectrice, c'est la mère même de la nation. Batoubaye Bakangote. Et lorsque la Cour est saisie pour recours en interprétation, conformément à l'article 162 de la Constitution, lorsque la Cour rend ses arrêts ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, ne peuvent souffrir d'aucun recours, d'aucune voie, je l'ai dit. Et ses arrêts sont exécutoires immédiatement, opposables à tous, y compris à Matata Ponyo. La Cour a dit, s'il vous plaît, autorisez, la Cour a dit que Matata a wanga na kokiko sambi ça a été, tout simplement parce que Matata a lu sénateur. Les gens n'ont pas lu. Il faut lire, les Congolais n'ont pas la culture de lecture. Il faut lire la motivation de la Cour, l'arrêt de la Cour. Cour et lobby, hein. Nako sami c'était pour aller sénateur. Yona ngai totanga constitution, parce que sénateur ba sami sakay panani. Je vous ai répondu et j'aimerais que ceci soit suivi. C'est par la Cour de cassation. Le procureur général près la Cour de cassation va réintroduire son réquisitoire auprès du bureau du Sénat, qui devra à nouveau autoriser que le sénateur Matata se présente devant la Cour de cassation, qui doit les connaître, n'est-ce pas? C'est cela les droits. Merci beaucoup, mon avocat. Avant d'aller à la question de l'Italie, vous voyez, il y a Arnaud Gandet, la police.
D'abord, premièrement, d'emblée, je dirais que Babé Takango na TVT. Moni na itando, iketo aliawa, makambo ya sécurité amboka Babé Takango na TVT. Mais de manière superficielle, je ne peux pas ici vous dire les secrets d'État. D'abord que je suis un homme d'État, mais seulement que je suis au courant de certains aspects des choses. Notamment, je vais vous faire une petite historique. Allemagne et la France, en 1945, il y a eu l'Iran et l'Irak. Il y a eu le Canada. Mais il y a eu l'Allemagne et la France, c'est parmi les républiques où il y a un partenariat. Mais ce fut des anciens États opposés, ennemis. Des ennemis farouches. Mais au nom de la paix, et l'Allemagne, et la France aujourd'hui, Baliko Fanda Mesamoko quotidiennement. Je voudrais dire tout simplement que si c'est pour la paix, au nom de la paix, la République démocratique du Congo a signé un partenariat militaire avec des troupes ougandaises pour essayer d'éradiquer ces fléaux qui gangrènent la partie est de la République, je ne vois pas là où il y a anguille sous roche. Je ne vois pas là où il y a tripatriage. Je ne vois pas là où il y a tripotage. Na utiko ye bisayo ke Allemagne a kizaki France, France a kizaki Allemagne, lelo bafandi na mesa moko au nom de la paix. Au nom de la paix. Au Conseil national de sécurité, je voudrais dire au Conseil de sécurité des Nations Unies, Bali n'a pas arrêté, ton aba. Naba mesure ezalaki prise depuis longtemps o ali ko sala ke mboka tel na mboka tel soki bali ko conclure ba contrat moko to bali ko conclure ba traité moko pona ko sala ke kimie kota na région na bango eza problème te jadis que Uganda eza Afrique centrale. J'ai que Ouganda est Afrique centrale. Alors, ba pays à Grand Lac, ba pays non sur Afrique centrale. Ce qui va fandi, ba zu traité mon corps, ba zu ba accords internationaux, o yali ko sala que ba relever défi, y a paix. Et que o ali ko mona moto, ali ko silika po amoni ba troupes ougandaises ba koti a pona ko éradiquer. Et ce qu'il faut noter, c'est que les troupes ougandaises ne sont pas, n'ont pas les devants. Les troupes ougandaises, Baliko Landa, ligne tracée par des troupes congolaises. Voyez-vous? Donc, Bato Baliko Kamba, phénomène, opération, on a un terme militaire, on a une opération, Baliko Samana Est, ce sont des troupes congolaises et des troupes ougandaises, Baye na renfort. Et vous devez savoir que la paix à l'est de la République, cela en va même de l'intérêt, il y a Ouganda paix. Donc, Ouganda, Liko Salam, Saloka pour la Congo, Taliko Salango, indirectement pour Naïepe ou directement pour Naïepe. Donc, vous devez un peu avoir votre calme et prendre votre verre d'eau dans la tranquillité, savoir que le président de la République, c'était un patriote et son niveau de patriotisme élevé gangrène tellement les consciences des uns et des autres. Mais c'est déplorable si je vois que Banamboka, Bali Kolingate qui m'est côté Namboka, mais ma conscience très tranquille. Merci beaucoup, Banamboka. Tu sais, nous sommes tous les Cambodgiens, les Camines, les Tadiwi, Miba. Boni boni, nous sommes tous les Cambodgiens, nous sommes tous les Cambodgiens. Oui, relance Yamiba. Si nous avons beaucoup de temps, je peux vous dire qui est en train de faire ses épreuves. J'aimerais aussi également féliciter le directeur général ad intérim de la MIBA, Paulin Lukusamu Diaï, pour sa mobilisation stratosphérique, pour sa mobilisation de foule en liesse de cette jeunesse qui est venue lui témoigner son soutien et accompagner les chefs de l'État pour son adresse sur l'état de la nation au Palais du Peuple. Pourquoi le féliciter? Parce que ce monsieur a un plan de relance de la MIBA. Voyez-vous,
j'ai moi lu ce projet de plus de 200 pages. Un projet, j'ai dit, de plus de 200 pages uniquement sur la relance de l'AMIBA. Pour relancer l'AMIBA, c'est simple. Il faudrait mettre des moyens. Dans ce projet, j'ai lu qu'il y avait une rubrique qui reprenait 40 millions de dollars américains. Et ce montant avait été communiqué même